Ah non, Pascal, non, mais franchement, ce n'est pas du tout, et vous voyez là, je n'ai pas du tout envie de donner la parole dans ces conditions. Ah bah, va falloir. Une assemblée démocratique, ça ne se... Il n'y a pas de démocratie ici. Mais ça, ça ne se passe pas comme ça. Il y en a pour 10 minutes. D'accord, dans le hall, vous venez, je vous entends. Mais les autres arrivent plus tard.
de faire ça. Madame Dufay parle des. Mais il n'y a pas, vous n'avez pas de méthode à nous donner. Madame Dufay parle des. Aucune méthode à vous donner. Eh bien si, nous aussi, parce que vous nous volez nos pouvoirs. Eh si, c'est pas une démocratie. Zéro, zéro, zéro. Mon pouvoir, il est où quand je vais travailler comme un con pendant 8 heures tous les jours dans une usine? Je sais pas, moi j'ai pas assez pour en payer. Pardon. Ah, la TVA, c'est... Ah, bah tiens, vous êtes là, bonjour. Ah, bah tiens, vous me voulez sur votre plateau, bah, me voilà ici. Ça tombe bien. Ok. Je disais que moi personnellement, j'ai pas pu payer hein, les locaux d'ici parce que j'ai pas assez d'argent. La TVA, ça existe, hein, si tu fais taxi tous les jours. Oui, aussi. Mais vous allez partir quand? Quand la séance sera levée. Quand la séance sera levée, ou bien que nous aurons la possibilité de lire le texte qu'on a à lire entre nous. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, bonne journée. Merci. Notre parole a autant de légitimité, et notre parole n'est pas. Élus ou ceux qui restent. Nous comprenons que cette interruption de séance qui bouleverse un peu les habitudes de votre confort d'assemblée vous paraisse particulièrement désagréable. Mais elle est pédagogiquement nécessaire. Le mouvement Nuit Debout n'avait pas 24 heures d'existence que votre conduite rendait inévitable qu'il soit tout le contraire de ce que vous en espériez. À savoir ce qu'il est réellement et depuis le début un mouvement populaire. En nommant immédiatement l'événement sous les traits d'un paisible rassemblement démocratique all inclusive, vous avez en effet cru, comme d'habitude, pouvoir prendre le contrôle des choses par la communication. Le cocktail suranné du déni et du fantasme aux lèvres, pour ne rien dire de la dose extraordinaire de bêtises et d'outrecuidance qu'il nous faut toujours au fond pour l'avaler sans scrupule. Je pense pas, on reste en groupe. On reste en groupe, sinon ils vont nous niquer à la sortie. On reste en groupe, on reste bien groupé. On reste bien groupé, on reste bien groupé. La parole publique est chassée par les fascistes. Oh!